composés, cervelas ou poissons grillés, la mayonnaise nous accompagne partout. L'entreprise Tommy et Frau Kessa est née en 1930 à Langenthal. Hans Tommy se loue sur la moutarde industrielle et décide de tout changer en instaurant le conditionnement en tube d'aluminium, une innovation mondiale. Précurseur en matière de publicité, il remplace le « i » de son nom par un « y » pour donner à la marque un nom plus international. C'est seulement à partir de 1951 que la société fabrique de la mayonnaise à base d'huile de tournesol. Le personnage aux formes de tube arrivera dans les années 70. Sachez que le mot « mayonnaise » vient de « mahonnaise », en souvenir de la prise de Port-Mahon aux Baléares par les troupes de Richelieu en 1756. Aujourd'hui, avec 1 kg de mayonnaise consommée par an, les Suisses ont le maillot jaune.